Christophe Grosjean, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aux Épicuriales. Merci. Ça va être quoi votre leitmotiv aujourd'hui dans les cuisines? Fraîcheur. Par ce temps, on a revu un peu les menus différemment depuis hier, quand on a vu la canicule. Donc on va faire très peu chauffer les ingrédients, on a mis beaucoup plus d'acidité. On a adapté le menu en fonction de la météo, bien sûr. Vous êtes responsable du restaurant L'Océan. Tout à fait. Qui est un superbe endroit. Ouais. Vous avez une vue panoramique sur la baie. Tout à fait. Et votre plaisir, c'est quand le soleil se couche, vous demandez à vos collaborateurs de venir et de regarder. Voilà. On a un hôtel de 52 chambres avec un restaurant gastronomique le soir et un bistrot le midi. Et il est vrai qu'en ce moment, le soleil se couche vers 21h45. Et ce moment magnifique depuis notre cuisine ouverte, de voir le soleil se coucher. Et je stoppe en général le service 30 secondes pour dire à mes coéquipiers, aussi bien serveurs que cuisiniers, et c'est pour ça qu'on est là, regardez ça aussi. On a droit aussi au plaisir de tous les jours, de la nature. Voilà. Donc vous tenez votre passion pour la cuisine de votre grand-mère, qui était agricultrice. Vous connaissez alors le bon goût du produit frais. Voilà, il y a toujours eu de bons produits autour de la table familiale. Donc sans m'en rendre compte, elle m'a inculqué le bon produit. Donc quand j'ai commencé ce métier un peu par hasard, je me suis tout de suite rendu compte que je connaissais beaucoup de choses sans le savoir. Ça m'a beaucoup aidé dans mes premières armes, mes premières maisons où j'ai travaillé. Alors vous obtenez un contrat d'apprentissage dans une maison étoilée à Puy-en-Velay. Et là, vous avez 15 ans. Ouais. Vous devenez ensuite chef de partie au Chabis Chou à Courchevel. Oui. Vous rejoignez ensuite les frères Pourcel à Montpellier pour 2 ans. En 2000, vous partez aux États-Unis en tant que chef exécutif au Barnadus Lodge à Carmel, dans la ville de Clint Eastwood. C'est cela, ouais. Je suis parti un peu par hasard avec un contrat de 18 mois pour renforcer un peu mon expérience internationale avant de prendre un poste à responsabilité en France. Et j'y suis resté 10 ans parce que l'énergie, l'ouverture d'esprit, voilà. C'est... 2010, vous revenez en France dans le Pays Basque à la tête des cuisines de Chemin de Brindos. Oui. Vous décrochez une étoile. Voilà, c'était le but de Monsieur Blanco, Serge Blanco, qui était le propriétaire, d'avoir une étoile au guide Michelin, et pour avoir reformé une équipe, regarder un peu ce que les fournisseurs pouvaient m'apporter, les petits producteurs. On a réussi à créer une émulsion assez rapidement et avoir l'étoile au bout de 2 ans. Et vous prenez les commandes des cuisines en 2015 du grand hôtel Talasso Espa. Vous décrochez à la suite de cela une étoile au guide Michelin pour le restaurant L'Océan. C'est plein de succès. C'est beaucoup de travail, mais c'est plein de succès. Ouais. Ce soir donc aux Épicuriales. Voilà. Pour sortir un peu aussi cette beauté de Saint-Jean-de-Luz, on va aller sur les Épicuriales. On va à la ville. Vous allez préparer quoi? Tout en cohérence avec ce que l'on fait dans notre restaurant, j'ai joué beaucoup sur le végétal ce soir. Donc j'ai une assiette autour de l'asperge, les dernières asperges, avec du sarrasin et une vinaigrette à la truffe. Donc c'est vraiment une assiette céréale végétale. Ensuite, nous avons le premier thon rouge de Saint-Jean-de-Luz. Et la pêche était ouverte ce week-end. J'en ai reçu un de 31 kg hier. Voilà, donc il sera servi avec une purée de basilic, un caviar d'aubergine, avec une fleur de courgette en tempura. Et après, nous avons une tartelette déconstruite à fraises framboises, avec une ganache hibiscus. Super. Du frais, du fruit et beaucoup d'acidité. Merci. Merci beaucoup.